Merci, monsieur. Ah, deux, trois, quatre, ça va. Je t'invite au cravate, mais je n'ai pas de pèse. Je vais le mettre là. Ça va bien, vous attendez. Bonjour, docteur. Quel bon rôle vous avez. Ah, mais ce n'est pas moi qui m'a amené, c'est l'autobuste. Vous vous paraissez vraiment très accablé, hein? Ah oui, j'ai acheté un atomie truand et emmerdant. Est-ce que vous vous êtes désinfecté la gorge? Ah oui, j'avais pris des pastilles dans le tas, ça soutient. Il me dit Ronan Massi. Ah, c'est trop bien, je vous en prie. Mais docteur, il me dit Ronan Massi. Ah oui, c'est trop bien. J'avais pris des pastilles dans le tas, ça soutient les pastilles dans le tas. Et parce qu'il va là pour soutenir votre doux. Mais oui, et pour soutenir ma gauche, c'est comme des soutiens gauche, et les parties de la. Et comment est-ce que vous êtes aperçu de ce que vous avez dit? Je tiens à dire, de évidemment, mais quelles sont les origines de votre doux? Mais c'est pas qui dirait, j'ai trois femmes à ma doute, ma douceur. Et alors, il y en a deux qui vont bien et un qui ne va pas. Et alors, mon mari est toujours pour le pas, et il dit, c'est la cheminée. Donc, ça trébuchait dans le pain et ça a pu à la cheminée. Je vois. Donc, il s'agit de toi. Oui, il s'agit de moi, il ne s'agit pas de toi. Et vous parlez dans la toi. Alors, moi, je vois dans la toi. Et vous voyez la mazoute là. Mais mon mari, quand il s'est rappelé à la cheminée, il est tout mis à l'itminée. À l'itminée, il a mon institut super harmonie. Je ne vois pas très bien ce que vous venez de me faire dans cette histoire. Mais moi j'étais dans le grenier, moi, hein. Et je poussais mon mari derrière, mais sa poche a pas veillé. Il a tout oublié le bouquin, il a fait un trou dans le marché de chien. Ah. Oh. Je vous demande de dire ah. Oui, mais quand je fais ah, il y a tout qui vient à ma bouche, moi. Oui, je vois. Vous avez les amygdales très enflammées. Ah non, mes amygdales, vous êtes me les accoupées un peu avant mon mariage. Mon mari a toujours les siennes, mais moi, je comprends, je comprends. Votre toux est nerveuse. Il s'agit de votre organisme. Ne vous sentez-vous pas un peu lasse? Même mon flasque. La nuit, vous dormez bien? Mais vous, si vous sens, parce que quand je m'endors, c'est mon mari sur mon sein. Mais non, vous ne dormez pas bien. Mais non, parce que quand on dort, c'est marqué toujours. Et vous dormez pas ensemble? Mais on dort dans des jumelles, là, monsieur. Ah, vous faites chambre à part, bien, alors. Et bien, madame, ce petit entretien me donne la conclusion que vous êtes une personne très sensible, une extrême sensibilité. Faut pas qu'on me touche, hein. Ça fait comme des parasites dans le poste, hein. Ma fille me dit toujours, maman, t'es encore sur la montrée comme ça. Voilà. Avez-vous des vapeurs? Oh, malheureux, vous mettez ma bite après tout. Mais parfois, je tricote, d'abord, vous venez de suivre là. Voilà. Oui, et vous n'avez jamais rien dit d'autre que des pastilles Valda. Il avait été à la pharmacie, partout. Et on avait donné des chaises de lui et des suppositoires pour moi. Une vétine qui est ici, le Maintenant, j'y suis. Vous avez provoqué une mauvaise carburation dans votre organisme. Alors vos vapeurs se sont froidies et c'est cela qui vous fait tousser. Ah oui, c'est grave, c'est à cause de moi. Non, non, non.
l'événement ne s'en était pas aperçu. Non, il me sait merde, je ne sais rien dire là-bas. Je vais voir. Oui, docteur, je lui avais dit un jour qu'il avait quelque chose qui n'avait pas annoncé l'électrique, hein. Et alors, voilà un petit trou de frigo, la carte de musique. Vous faites des calculs. Ah non, moi je ne suis pas compté, c'est ma fille qui fait des comptes. Ah, et permettez-moi une question indiscrète, madame. Oui. Monsieur, dans ses conjugalités... Monsieur. Il n'est pas trop exigeant. Exigeant, malheureux, de ses parents, madame. Ce n'est pas normal, voyons, ce n'est pas normal. Comment ça, tu ne vois comme ça se passe donc? Ben, deux feuilles par an, c'est un peu. Il y a quand même un temps mort. Il y a longtemps qu'il est au point mort. Chère madame, votre cas est très compliqué. C'est grave. Oh, il faut que je vous opérer. Mon père, tu vois que j'ai des hommes dans le cuchelet. Et quand il y a de mon mérite, tu vas m'opérer. Mais c'est pas le corps humain, c'est un peu comme un moteur. Si vous aviez une voiture et que vous vous apercevez que vos bougies ne vont plus, hein? Mais si les bougies vont, hein, je ne roule pas la nuit. Mais vous ne me suivez pas, chère madame, vous ne me suivez pas. Je veux dire tout simplement, je voudrais vous faire remarquer, vous faire comprendre que vous ressemblez à ce moteur qui est en train de bougies. Écoute bien, si je suis en train de bougies, hein, je vais t'envoyer mon mari. Essaye un peu de me régler ses soupapes.